Musique. Saluons la famille présidentielle de son Excellence Quilombo. Au nom de notre public, veuillez vous asseoir. Les présidents de deux chambres, nous avons la présence du président du Sénat de la République démocratique du Congo, ainsi que celle du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorable président, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons nos honorables présidents au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons demander aux membres des gouvernements de la République, gouvernement national, gouvernement provincial, les vice-ministres, tous présents ici, nous vous demandons très respectueusement, de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Merci. Saluons nos excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, veuillez vous asseoir. Nous avons la présence de leurs excellences, les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien entendu du gouverneur du Congo central, Son Excellence, M. Atou Matubwana, et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Son Excellence Ngobila. Nous associons à leurs excellences tous les ambassadeurs ici présents, représentation diplomatique. Veuillez vous lever ensemble avec leurs excellences. Musique.
Saluons leurs excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous demandons à la famille Abed et toute sa suite, également les membres des confessions religieuses ici présentes, Église catholique, protestante, les églises du réveil qui sont présentes aujourd'hui, auxquelles nous associons également les chefs coutumiers, de bien vouloir se défaire afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la dernière étape. Il s'agit de la famille sainte. Nous avons d'abord la présence des enfants de nos papas, la descendance de papa Simon Kimbang. Nous demandons très respectueusement à tous les enfants, nos frères et sœurs, la descendance de papa Simon Kimbangu, les enfants de nos papas, de nos mamans, de bien vouloir s'élever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons-les très respectueusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons d'abord nous mettre. Nous allons demander cette fois-ci à notre chère maman, les révérendes, les épouses et du chef spirituel et de nos papas les conseils directs. Vous disiez tout, le tout est la mena, parce que vous êtes au bas, Yemwana Velila. Vous voyez la bonne maman.
Nous avons la présence de nos papas et de nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Yangani. Ceux-là, nuit et jour, qu'il assiste. Comme on dit en français, un cours d'eau qui coule tout seul finit par se désorienter, faute de conseillers. Même Dieu s'est doté des conseillers. C'est très significatif. C'est un honneur pour nous de les avoir parmi nous. De la manière dont il nous aide, il nous conseille et il montre le droit chemin derrière Papa Simon Kimbangu Yangani. Tout le monde est comme un sénètre, quand vous disiez, papa conseille direct, il va maman conseiller direct, il va tout te l'amener, parce que vous, par la benne, vous allez le caïs. Saluons nos papas, saluons nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louvois Nakwen Masimet, Ingodizek. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons terminer la partie qui nous est confiée. Nous avons la présence de notre Dieu en personne, en chair et en os. Il a un nom. C'est Papa Simon Kimbangu Yangani. Et nulle autre personne au monde. C'est lui le créateur de tout. Il dispose de tout. Zambieto, katuvoketo mami ingiku, katimboho wa mkwene kwa ngewe nina. Kiese ima yangi, kwa pito kwa namba kumulumoti, tukaini kipontu mkayo. Tukulombele Zambieto, kuna njitu ya wawonsu na watu tele mastatu kwa nakia mwati.
Zanito beto ntila usukidi mana masidi kwangewan zambit tukulomele zambit abaka fulu yesikit sabana baku Até a Salenini. Mukonja ya katele aí. Boni moyo kaye. Na kopo tata mo na pe tata mo limosan. Likambo oyu.
mon ami Lelo, Salami Lelo, Koya et Tata Mokondi, Tolini Tolobete, na 21 et Zalaki Boye. Kolo Yesu, Tata Kimbango Bayokani, Ete Tata Kimbango Abana Musala, Tata Kimbango na respect nyonso, akendaki komona mukonja ya leta. Asengi nzela, Nzambe apesi ngai musala. Yo mukonji, na ye kosenga nzela na mabele na yo, pona banda musala, Nzambe apesi ngai. Mukonji wana abeta kitolo nandimi sala na yo musala ya tata Nzambe. Denge abeta kitolo 3 fois kuna nalikuru eyo kanaki Nzambe asepelaki. Lelo yo mize tata mukonji atiki misala na ye nyonso. Atiki famille aye nankam aye poete a Fongola de 21 2021 100 ans et c'est le bien biso peto sengi nzela à Fongola. Tout ça en direct. Na tata Nzambe. Na bango nyonso. Likambo ya lelo esalama. Tata mukonji à Fongola. Mise. Tout ça en direct. Tout ça comme pambo lité virtuosi. Gaye na motema na ngana na zao lumete. Aya kaka, aya na. Babonde ni nanga ezala kibongo. Aye ni ayete. Oh, tata kimbangu na mbanza sanda aloba kete. Mundele akoma mutu muindu. Mwitu muindu akoma mundele. Pona nzoto te. Pona misala. Boyo kie, eh? Yesu kwe tozuye de tozuye te. Ye wana de mukonje na biso. Ye ndi ya zotamu sa RDC. Yango wana esenge li te. Tozala na esengo. Temo ya mutu azali nani ye. Temo ya Nzambe azali nani ye. Yaro et Salami Boye, tous à la sûre. Que ma pamboli, tous lui en haut, vous êtes au Sengati. Yembangis Boye. Bolingi bomona ye, hein? Tata mukonji tele mama mona yoye.
Son éminence, Papa, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril, 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, par ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en deux temps, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teysville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme
à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposées pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelles, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu, de même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire « Matondo Mingi ». Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu, oye! Oye! Bakimbanguiste Bisikanyon Sobozali, oye! Matondo mingi nabino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekeyi na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana,
Pe Papa Joseph Diangenda Kuntima, Bananaye, na 37 000 Balandeli Oyo, Bapanzali Lobanaye, na Mokili Mobimba. Batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu bolingo Bolingo, bolingo, na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa, na lingina loba boye. Awa ba presente bino, papa, président, ya Sénat, na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga yate date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda ko zala férié Nasengi na bango batala na ba représentants ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Oye. Kimbanguiste, oye. Oye. 6 avril 1921, oye. Oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie.